Comment écrire le CAF? Donc, on voit que ça, c'est la lettre CAF. Eh bien, en fait, en fonction de la position dans le mot, si elle est en début de mot, entre deux lettres ou en fin de mot, elle va s'écrire différemment. Donc ça, regardez la première façon, c'est la lettre lorsqu'elle est en début de mot. On va l'écrire pareil, simplement. On ne va pas faire la boucle parce qu'en fait, ici, il y aura une lettre qui va la suivre. Elle sera rattachée. Ça, c'est la première façon, la première forme de la lettre. Lorsqu'elle est entre deux lettres, c'est-à-dire qu'il y a une lettre qui est devant, eh bien, elle va s'écrire de la même façon. Voilà, donc simplement, on va la rattacher à la lettre qui suit. Voilà, donc c'est exactement la même lettre, même si vous voyez que la boucle, des fois, je ne la fais pas pareil, mais c'est toujours la même lettre. Et on la rattache à la lettre qui suit. Maintenant, si en dernière lettre, vous avez deux formes, enfin plutôt, on va faire la forme la plus répandue. Voilà. Donc ça, c'est la forme en fin de mot, donc c'est-à-dire qu'on la rattache à la lettre qui la précède. On fait un grand trait en haut et on fait une boucle ici avec ce petit signe. Également, lorsqu'elle est isolée, on l'écrit soit comme ça ou soit comme ça, simplement ici on ne la rattache pas comme elle est isolée. Voilà, donc pensez également donc à vous abonner.